Francis Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la Fondation de Royaumont depuis près de 30 ans maintenant. Fondation de Royaumont dans cette abbaye cistercienne de l'Oise, lieu absolument magnifique, qui fête ses 50 ans, hein, la Fondation. Mais vous êtes aussi, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes président du chœur régional Vitoria d'Île-de-France, qui est dirigé d'une main de maître par notre ami Michel Picmal, qui était notre invité dans Passion Classique lors du festival de Pâques à Aix-en-Provence. Avez-vous fait partie d'un chœur, vous ? Non, c'est une de mes grandes frustrations, c'est que j'ai toujours chanté extrêmement faux. j'ai été souvent repéré dans les églises, car j'ai fréquenté des églises et j'ai tenté de chanter, mais très vite mis à l'écart. Donc c'est peut-être pour ça que je me suis intéressé au chant choral, par incapacité de moi-même pouvoir pratiquer. Et ça s'apprend pas à chanter juste ? J'ai peut-être pas assez approfondi cette étude-là, cet apprentissage-là. En tout cas, le constat a été assez radical et rapide pour moi, donc j'ai préféré effectivement m'occuper de faire chanter les autres. En tout cas, on peut être un très grand musicien et chanter faux, parce que quand on entend les bandes de répétition d'Arturo Toscanini, on s'aperçoit qu'il chante comme une casserole, alors que c'est un immense musicien, chef d'orchestre. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, Francis Maréchal, avec un disque que vous nous avez apporté, que l'on peut trouver ni chez Le Marchand, ni sur YouTube, ni sur rien du tout. C'est donc une rareté. C'était un concert à l'abbaye de Royaumont le 7 octobre 1989. L'ensemble vocal Michel Picmal, Charles Spencer au piano et la grande Christa Ludwig qui interprétait ce chant Stanchen de Schubert. Vous vous souvenez de ce concert ? Vous y étiez ? Oui, bien sûr. Là, j'ai la chance évidemment d'avoir vécu de multiples émotions artistiques à Royaumont. Ce concert a été aussi une grande émotion artistique. C'est vrai que Christa Ludwig, bon, c'est pas la peine d'en parler. C'est une des plus grandes interprètes, notamment du lied allemand. Et moi, ça m'intéresse toujours de provoquer des rencontres dans un lieu comme Royaumont. Et je suivais évidemment depuis longtemps l'ensemble vocal fondé par Michel Picmal, je crois, en 78. Hein. Nous avions fait beaucoup de choses ensemble. Et je me suis dit que là, il y avait quelque chose, il y avait une rencontre à provoquer. Et ce Stanchen de Schubert, par ailleurs un compositeur qui est parmi vraiment les compositeur que je porte le plus au firmament, ce Stanchen, qui est un petit miracle de Schubert pour voix de femme, mezzo-soprano et piano, était l'occasion d'une rencontre qui a été effectivement une très belle conclusion de ce concert donné dans l'ancien réfectoire des moines. Sucht ein weiser Frau und weise Männer.
Ce Stenchen Deutsch 920 de Schubert, que Schubert avait écrit pour son ami Anna Fröhlich, qui était au conservatoire de Vienne, à l'Académie, et qui est interprété ici par l'ensemble vocal Michel Picmal et la grande Christa Ludwig, que nous avions reçue dans Passion Classique à Vienne pendant les vacances, là, qui est disponible à la réécoute sur radioclassique.fr. Une femme étonnante, avec un tempérament qui aime les bonnes choses de la vie, mais surtout qui est une musicienne extraordinaire, Francis Maréchal. Ah oui, moi j'ai une vénération pour elle. Je veux dire que j'ai découvert d'ailleurs l'opéra et ma passion pour l'art lyrique a commencé avec elle et avec Strauss, car j'avais eu la chance d'assister à Une femme sans ombre, dirigée par Carl Böhm, qui était cette période de reprise en main de l'Opéra de Paris, donc dans les années, si je ne dis pas de bêtises, 74-75, avec son mari de l'époque, Walter Berry, qui chantait Barak, James King, Léonie Rizanek. Et c'est vrai que cette femme sans ombre et la présence effectivement de Christa Ludwig, c'était un moment de musique absolument exceptionnel. Alors, le chœur régional d'Île-de-France, comment fait-on pour y entrer? Là, il faut pas chanter faux. Alors pour y entrer, alors c'est un chœur d'amateurs et qui se revendique vraiment comme tel, mais justement c'est ça que je trouve très intéressant dans la démarche de Michel Picmal, c'est que c'est un chœur d'amateurs mais encadré par des super professionnels, et pour moi Michel est un des très grands musiciens d'aujourd'hui. Pour y rentrer, il faut avoir, disons, de bonnes bases, des bonnes bases en solfège. Bon, il vaut mieux effectivement qu'on chante ensemble, c'est clair. Et puis savoir chanter plus juste que moi, ça c'est très clair aussi, et avoir déjà effectivement une capacité vocale, mais sans pour autant que ce soit un niveau exceptionnel. En revanche, ce que je trouve fabuleux, et c'est ça qui moi m'attache énormément à ce chœur, c'est et à la pratique chorale en général, c'est que avec des amateurs qui finalement pris individuellement n'arriveraient pas à faire quelque chose de très fort sur le plan musical, collectivement,
on arrive à des résultats extraordinaires. Donc pour moi, il y a quelque chose de miraculeux justement dans ce collectif qui effectivement conduit, guidé par des artistes comme Michel Picmal, arrive à des niveaux tout à fait professionnels. Moi, j'ai en souvenir effectivement des concerts par exemple avec l'Orchestre National d'Île-de-France qui collabore très régulièrement avec le chœur. Notamment, je pense à une deuxième de Gustav Mahler, où je pense très en toute modestie que le niveau de cet ensemble d'amateurs se hausse quasiment au niveau des professionnels de l'orchestre. Donc c'est vrai que il y a quelque chose de miraculeux, mais c'est vrai qu'il faut quand même, pour reprendre votre question, il faut quand même une bonne base pour rentrer dans le chœur. Mais c'est vrai que la sélection n'est pas non plus épouvantablement rigoureuse, en fait. Ouais. Tout le monde a sa chance. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le chœur, c'est que ce sont plusieurs voix, mais ça doit être un seul artiste. Et c'est comme l'Orchestre Philharmonique de Vienne, quand on parle avec les musiciens, ils disent qu'ils ne sont pas les meilleurs violonistes du monde ou les meilleurs violoncellistes du monde. C'est pas un orchestre de solistes, mais c'est un orchestre. C'est le recrutement se fait par ceux qui vont se fondre le plus et devenir une seule âme. C'est extraordinaire. Exactement, ça, c'est... exactement. Oui, ouais, oui. Ouais. Alors, c'est un chœur qui voyage, j'imagine. Alors, c'est un chœur qui, effectivement, pour première mission, je dirais, d'abord d'associer des choristes de l'Île-de-France, hein, bien sûr, et ensuite, effectivement, de d'irriguer le terroir musical de l'Île-de-France. Il est soutenu très fortement par le Conseil régional d'Île-de-France. Donc sa première mission, c'est de donner des concerts dans la région, dans les communes, aussi bien des grandes communes, des petites communes, parce que c'est vrai quand on parle de l'Île-de-France, on voit très bien qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la métropole, qu'on franchit la première couronne, c'est vrai que j'ose pas dire qu'il y a un désert musical, mais en tout cas l'offre musicale est évidemment beaucoup moins substantielle. Le chœur va un peu partout, hein, y compris dans des petites communes, chante quelquefois dans des conditions pas évidentes, dans des gymnases, et pas simplement dans des belles églises avec des magnifiques acoustiques. Mais c'est vrai que le chœur fait aussi rayonner la région d'Île-de-France hors de ses frontières. En ce moment même, et d'ailleurs vous le mentionnez régulièrement sur vos ondes aujourd'hui, en ce moment même le chœur est au Maroc, pour justement là aussi une autre rencontre avec le chœur du Maroc et l'Orchestre Philharmonique du Maghreb. Ils sont en train, en ce moment même, donc au Maroc, de préparer le Requiem de Verdi, qui va être donné au Maroc et qui sera ensuite donné la semaine prochaine, effectivement, à Paris, notamment à l'église Saint-Eustache. Donc c'est un chœur qui voyage régulièrement. Vous êtes bien sur Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy. Francis Maréchal, je rappelle que vous êtes président du chœur régional Vitoria d'Île-de-France et directeur général de la Fondation de Royaumont. Et dans cette fondation, dans cette très belle abbaye de l'Oise, vous avez décidé de miser beaucoup sur la musique et notamment la voix. Oui, la musique, parce qu'il y a une tradition musicale à Royaumont. Les propriétaires de l'abbaye, là, qui était une famille d'industriels mélomanes, en fait, la famille Gouin, donc cette famille qui avait fondé la société de construction des Batignolles, ce qui est devenu Spi Batignolles, donc un de beaux groupes industriels. Cette famille, donc, qui avait acquis l'abbaye en 1905, avait une passion pour la musique. Madame Gouin, née Isabelle Lang, était proche de la famille Debussy, donc il y avait vraiment des affinités extrêmement grandes. Ils avaient un salon de musique à Paris, donc ils ont décidé d'installer de la musique à Royaumont. Et cette saison musicale qui a commencé en 1936, donc on en est vraiment à une édition maintenant, on doit être, je sais pas, la 70e ou 75e édition. Cette saison était plutôt de musique instrumentale. Alors pourquoi la voix? Parce que d'abord les acoustiques de Royaumont, il y a des acoustiques tout à fait exceptionnelles, le réfectoire des moines, des acoustiques assez différentes d'une salle à l'autre. Et c'est vrai qu'elle met en valeur la voix d'une manière assez fabuleuse. Donc il m'a semblé que par rapport au lieu Royaumont, c'était intéressant. Et puis moi, je suis arrivé à Royaumont à la fin des années 70, donc il y a déjà effectivement quelques années, début des années 80. Et puis là, à cette époque-là, il y avait une crise de l'enseignement du chant en France, en fait. C'est vrai que les grandes stars du chant, les Crespin et autres, étaient déjà elles-mêmes en fin de carrière. Et les nouvelles générations avaient un peu du mal à émerger. Il y avait un problème de
formation des chanteurs, de culture musicale aussi, il faut bien reconnaître, des chanteurs, qui n'étaient pas du tout à la hauteur des anglo-saxons notamment. Et il m'a semblé que là encore, Royaumont, qui avait une grande liberté d'initiative, d'action, nous sommes une fondation privée, pouvait aussi jouer un rôle utile pour aider à faire émerger une génération de chanteurs, une nouvelle génération de chanteurs. Et donc on s'est mis effectivement à inviter des grands professeurs américains, des grandes stars du chant autrichien, allemand, anglais, pour venir un petit peu faire partager leur expérience à des nouvelles générations de chanteurs français, et pas simplement d'ailleurs à des nouvelles générations de chanteurs, mais aussi à des grands professeurs de chant. Et ça m'a beaucoup amusé de voir par exemple Régine Crespin elle-même, qui à l'époque était prof au Conservatoire de Paris, qui est venue s'inscrire à Royaumont comme auditrice libre pour assister au cours de chant donné par Daniel Ferraud, bel exemple, très grand prof de chant de la Juilliard School, qui vient d'ailleurs de décéder hélas, qui d'ailleurs avait été aussi son prof à New York à un certain moment. Et j'ai vu effectivement, donc il y a eu une espèce d'alliance assez formidable, stimulée par le ministère de la Culture, où pratiquement tous les profs de chant français sont passés par Royaumont, ont échangé avec ces grands profs qui venaient des États-Unis, qui n'avaient jamais enseigné en France. Et il y a quelque chose qui s'est mis à bouillonner, d'où effectivement cette destinée musicale, enfin vocale, qu'a prise la Fondation Royaumont et qui s'est confirmée au fil des ans. Francis Maréchal, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Voici la première. Presque gouldien, hein, d'Alain Planès, ici dans ce clair de lune de Claude Debussy. On sent qu'il joue par petites touches, comme ça, par petites touches de couleur, on pourrait même dire. Peut-être sur un piano d'époque, d'ailleurs, je ne suis pas sûr, mais on dirait bien, ça pourrait bien être des sonorités de Bechstein d'époque. Francis Maréchal, pourquoi ce choix du clair de lune? Alors ça, c'est ce moment de musique m'émeut pas mal, parce que c'est ma mère, qui était pianiste amateur d'ailleurs, mais passionnée de musique, qui avait été elle-même élevée dans le culte de Claude Debussy. Donc elle a tout son apprentissage du piano, elle a fait plutôt autour, beaucoup moins autour des compositeurs romantiques, autour de l'école française et notamment de Claude Debussy. Et ce clair de lune était peut-être le premier morceau de musique que dans ma plus tendre enfance j'ai entendu à la maison, donc elle le jouait assez fréquemment, et donc pour moi c'est vraiment le souvenir de mes premières émotions musicales à l'âge de quelques années grâce à ma mère qui le jouait. Il y a à la Fondation Royaumont une bibliothèque musicale, François Lang je crois, avec quelques manuscrits important, notamment de Debussy. Oui, absolument. Alors c'est assez amusant de voir que tout d'un coup j'ai été rattrapé par Debussy, puisque nous avons acquis en fait en 2007 la bibliothèque justement personnelle de François Lang, donc le beau-frère de Henri Gouin, le fondateur de Royaumont, qui était lui-même un très grand pianiste, ami de Cortot, d'Horowitz et de bien d'autres, et qui justement à l'image d'Alfred Cortot avait voulu lui-même constituer sa bibliothèque musicale, bibliothèque précieuse avec des manuscrits, des éditions annotées. Et nous avons en particulier un fonds de Bussy qui a été acquis entre 1936 et 1941, d'une qualité exceptionnelle, avec par exemple le manuscrit
manuscrit des études pour piano, quand même, qui est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature pour piano, le manuscrit de la première version des Ariettes oubliées, grand cycle pour soprano et piano, mais aussi toutes les pages d'orchestre annotées de la main de Debussy, Pélas et Mélisande, les trois nocturnes, le prélude à l'après-midi d'un faune, la fantaisie pour piano et orchestre aussi. Donc il y a un fond Debussy absolument fabuleux et qui, je dois dire d'ailleurs, continue d'inspirer des programmes. Nous avions d'ailleurs, nous enrichissons aussi cette bibliothèque. Par exemple, on a pu acheter les deux jeux d'épreuves corrigés de la Damoiselle et Lulle, donc un des premières œuvres de Debussy qu'il avait composé à la Villa Médicis. Et donc on les a acquises. Et puis 6 mois après, on les donnait en concert avec Nathalie Dessay et Isabelle Druet, donc l'Orchestre des Siècles. Donc c'est un lieu qui rend vivant vraiment les partitions, qui permet qu'on les étudie et ensuite qu'on les donne à entendre au public. Donc c'est vrai que Debussy est au cœur, je dirais, en effet, au cœur de Royaumont. Francis Maréchal, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale. Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait, au de tout dans le corps, entre les mots, entre les lignes et sous le phare, dans ce moment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tu s'évanouis. Grande chanteuse noire américaine, Abbey Lincoln. Alors, absolument. Bah moi, c'est une chanteuse que d'ailleurs je n'ai jamais entendue en concert. Elle n'est pas venue à. Hélas, oui. Tous ces enregistrements, je trouve que c'est une leçon de chant. Enfin, c'est une espèce de vérité d'une voix qui vient du plus profond de l'être, enfin, qui est d'une émotion extrême. Et le fait qu'elle interprète cette chanson de Léo Ferré, qui était un des chefs-d'œuvre de Léo Ferré. Je sais pas, ça ajoute encore quelque chose et ça donne à cette chanson un statut d'éternité. Enfin, je trouve ça absolument d'une émotion absolument bouleversante. Et je pense que pour les chanteurs et les chanteuses classiques, aller écouter justement des grands chanteurs de jazz, des grandes voix du jazz, peut être pour l'émotion à transmettre une très très belle leçon. Je me suis laissé dire que Pink Floyd a chanté à l'abbaye de Royaumont. Oui, alors absolument. Alors ça, c'est une époque que je n'ai quand même pas connue. Je tiens à préciser que je n'ai pas non plus connu Saint-Louis, parce que certains me posent des questions régulièrement. Il y a eu un jour, un grand gala de charité au profit de la Fondation Royaumont en 72. Et parmi tous les invités, il y avait d'ailleurs Jeanne Moreau, il y avait Alexandre Lagoya, enfin il y avait beaucoup de monde. Et les Pink Floyd, effectivement, ont donné un concert dans l'ancien réfectoire des moines, d'ailleurs qui se voit toujours sur YouTube, d'ailleurs actuellement. Ça a été donc un moment tout à fait rare et réservé à quelques privilégiés. Et le temps, justement, Francis Maréchal, il n'a pas de prise sur l'abbaye. Là, vous êtes en pleine rénovation pour justement faire un petit lifting. Nous sommes en grosse rénovation. L'abbaye même est fermée pendant 6 mois. Et elle ouvrira quand? Elle rouvre au début du mois de juillet. Donc nous entreprenons de gros travaux à la fois de restauration des bâtiments et ensuite d'aménagement et d'amélioration de tout l'équipement résidentiel, parce que Royaumont est un lieu d'abord de résidence d'artistes, résidence d'entreprises qui viennent en séminaire, de mécènes qui viennent soutenir la fondation. Donc cette dimension résidentielle de Royaumont est absolument essentielle. Donc on s'est dit qu'il fallait rendre
s'est habillée encore plus attractive. Donc, alors c'est avec le temps, ce qui est intéressant justement dans un lieu comme Royaumont, c'est qu'on a comme ça une espèce de mesure du temps long en fait, et qui va dire à l'encontre, je dirais, d'une politique très événementielle. C'est vrai qu'à Royaumont, l'abbaye, le monument historique, nous incite à travailler vraiment sur la longue durée en fait, et c'est ça qui, je trouve, est formidable. Et je pense que tout processus artistique, toute œuvre artistique a besoin vraiment d'un temps, et c'est ce temps-là justement que nous essayons d'offrir aux artistes en fait. Ça, je crois que c'est la vocation, à mon avis, première d'un lieu comme Royaumont. C'est le moment de votre troisième petite madeleine musicale, Francis Maréchal, que voici. Aussi que vous avez choisi, Francis Maréchal, avec cette cantate Ich habe genug de Jean-Sébastien Bach par Hans Hotter. Alors là encore, on est dans de l'émotion pure. C'est vrai qu'à Royaumont, on a été des grands défenseurs, ou de grands, plutôt, je dirais pas défenseurs, promoteurs du renouveau de l'interprétation baroque. Hein, les Christie, les Malgoire, les Jacobs ont fait tous leurs premières armes à Royaumont. Donc avec Hotter dans cette cantate de Bach, on est très éloigné évidemment de cette esthétique-là, mais il y a une émotion aussi absolument saisissante en fait. Et un style, une probité. C'est-à-dire que, alors moi, j'ai eu l'occasion d'inviter Hotter à Royaumont. Il a beaucoup enseigné à Royaumont. D'ailleurs, c'est un grand professeur aussi. C'est un très grand professeur. C'est un homme qui avait un humour fou et qui surtout demandait d'ailleurs à ses élèves de ne surtout pas chanter comme lui. Ce que je trouve d'ailleurs très bien, parce que souvent, il y a trop souvent de profs de chant qui sont un peu des gourous et qui veulent faire des clones, quoi, en fait. Il faut bien reconnaître. Ce qui est exactement pas la démarche de Hotter, qui justement ne voulait surtout pas qu'on assombrisse la voix, mais au contraire l'éclaircir en permanence. Et donc il avait une générosité dans l'enseignement qui était exceptionnelle, et il a chanté à Royaumont, il avait 77 ans, d'ailleurs on a fait un concert absolument délirant, qui était une espèce de match entre la mélodie française et le lead allemand. Et alors dans la catégorie mélodie française, vous aviez Hugues Quinault, qui devait friser déjà les 85 ans, vous aviez Michel Picmal, j'en oublie encore un ou deux, et entre autres dans la catégorie lead allemand, si je peux dire, il y avait Hans Hotter, Donna Braun, jeune soprano canadienne qui faisait ses débuts à l'époque. Et c'est vrai que c'était magnifique. Et puis ce que j'ai trouvé génial aussi, c'est que c'est à Royaumont que Hans Hotter a appris le troisième acte, le rôle de Schigolch dans le troisième acte de Loulou, qui avait été créé quelques années avant, donc à l'Opéra de Paris en 79. D'ailleurs, Royaumont avait fait une très grande opération autour de Loulou avec, entre autres, Patrice Chéreau et Pierre Boulez à cette occasion-là. Et donc, il y avait une production qui se donnait au Châtelet. Et donc, c'était génial de voir cet homme de 77 ans qui apprenait une partition qui était quand même toute le troisième acte de la partie de Schigolch de Loulou. C'est un artiste pour qui j'avais déjà une profonde admiration, mais le fait de l'avoir fréquenté pas mal à Royaumont m'a confirmé dans cette adoration que j'ai pour lui. Et vous avez choisi le Nisi Dominus de Vivaldi
par Gérard Laine, ce grand haute contre-ténor, est resté en résidence longtemps avec son ensemble, celui qu'il a créé, Il Seminario Musicale. On écoute un extrait de ce Nisi Dominus. Thank you.
l'extraordinaire Cum Dederit du Nisi Dominus de Vivaldi, interprété par l'immense Gérard Lenne, là, qui, avec une voix d'un naturel extraordinaire, on a vraiment l'impression que c'est lui, hein, je sais pas si, il a pas dû travailler avec Alfred Deller, mais on a vraiment l'impression que c'est son fils spirituel dans ce naturel extraordinaire. Ça, on a l'impression que c'est une voix de la nature, absolument pas travaillée, quoi. Oui, oui, je crois qu'il a, il avait des, oui, des qualités propres absolument incroyables. Il a relativement peu travaillé, je pense, sa technique. En fait, je connaissais un peu son prof de chant, là, Irène Jarski. par contre, il avait un sens musical absolument incroyable. Il avait commencé par le rock, en plus. Il avait commencé par le rock. D'ailleurs, il est revenu au rock. Et moi, je l'ai connu. Il avait à peine 20 ans et il venait comme stagiaire à Royaumont pour des stages de musique médiévale avec René Clemenčič. Ah, il ça. A très, très bien défendu, d'ailleurs, notamment avec Marcel Pérez aussi, oui. Autre ancien de Royaumont, le répertoire du Moyen-Âge. Et puis, il a fondé son ensemble en 85. Ce disque qu'on vient d'entendre, le Nisi Dominus, c'est son second enregistrement qui date de 88. Et puis, il a passé quasiment 30 ans à Royaumont. Alors, ce qui est formidable, et on parlait tout à l'heure du temps long qui caractérise Royaumont. Moi, j'ai connu Gérard comme étudiant. Ensuite, il a fondé son ensemble, qui était en résidence à Royaumont. Et puis, un de ses premiers élèves, puisqu'il a aussi voulu, à un moment donné, commencer à transmettre son expérience à des nouvelles générations. Donc, il a aussi beaucoup enseigné à Royaumont. Son premier élève, ça a été Philippe Jarouski. Et le premier concert de Jarouski, qui avait lui-même 19 ans, a eu lieu à Royaumont. Autour d'un oratorio de Scarlatti, c'est des tchats. Oui, oui, et c'est ça qui l'a propulsé, parce que Jacques Doucet était dans la salle, et vous-même aussi, oui, peut-être. Oui, oui, donc, filmé pour la cinquième. D'accord, voilà, oui, donc oui. Donc c'est magnifique, parce que c'est vraiment, il y a une espèce de transmission comme ça, de cycle long, et c'est vrai que Gérard Lenne aura marqué l'histoire musicale de Royaumont, c'est clair. Oui, vraiment, et puis l'histoire musicale tout court aussi, en tout cas. Merci Francis Maréchal de nous avoir parce que c'est vrai que on a tendance à toujours dire James Bowman pour les anciens et aujourd'hui peut-être Jarouski et puis d'autres, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier un peu Gérard Lenne qui est vraiment extraordinaire dans cette œuvre là, cet abattementaire et le Nisi Dominus. Absolument. Francis Maréchal, merci encore d'être là ce soir en direct dans Passion Classique à l'occasion de cette journée consacrée au chœur régional Vitoria d'Île-de-France. Mais vous êtes aussi directeur général de la Fondation de Royaumont. Et j'ai lu quelque part que Henri Gouin et Isabelle Lang, donc les fondateurs de la Fondation Royaumont, voulaient faire quelque chose autour de l'homme. C'était de grands humanistes. Et ils pensaient que justement ça mettrait fin après la guerre, ça mettrait fin à la haine, ça mettrait fin à la guerre et au fanatisme en tout genre. On sait ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tout cas ça met sur vos épaules une responsabilité très forte. Oui, oui, oui. C'est vrai que ils ont été traumatisés par la guerre, notamment parce que François Lang, le frère chéri d'Isabelle, et a été déporté à Auschwitz où il est mort en fait, et lui qui avait contribué à inspirer fortement le projet musical de Royaumont depuis 36. Et donc ils ont voulu, après ce traumatisme très très fort, ils ont pensé que cette abbaye pouvait être un lieu de réconciliation en fait et de dialogue. Convertie au catholicisme. Alors Isabelle s'était convertie au catholicisme, tandis que François est resté fidèle à sa religion en fait. Il a été arrêté à Grenoble et déporté quelques mois plus tard. Donc ils ont pensé qu'effectivement ce lieu pouvait être un lieu, encore une fois, qui pouvait contribuer à renouer le dialogue entre les pays qui s'étaient entre-déchirés par la guerre. Ils ont fondé ce qu'ils ont appelé l'Institut Collégial Européen avec un autre humaniste, Gilbert Gadoff, en 47. Et Royaumont est devenu un lieu justement où des écrivains, des intellectuels allemands, italiens, français sont venus se réunir, travailler ensemble. Par exemple, Malaparte a écrit La peau à Royaumont, par exemple. Donc ils avaient cette vision humaniste extrêmement ancrée en eux. Et ensuite, lorsqu'ils ont constitué la fondation, ils l'ont intitulée Fondation Royaumont Gouin Lang pour le progrès des sciences de l'homme. Et ils ont mis en place toute une série de colloques, de rencontres, mêlant différentes disciplines, en fait, les sciences dures, les sciences sociales, avec des grandes figures comme Edgar Morin, Jacques Monod,
François Jacob. Donc Royaumont est vraiment imprégné de cet humanisme et on tente évidemment d'y rester tout à fait fidèle et d'associer aussi les sciences de l'homme à notre démarche artistique. Là, c'est aussi un dialogue qui reste extrêmement fécond aujourd'hui. Autre grand génie et autre grand compositeur soucieux des arts, c'est Richard Strauss, et vous avez choisi un diamant absolu dans Ariane Anaxos, c'est dans le prologue, c'est l'air du compositeur qui est chanté par Ingard Seefried, que voici. Dans Ariane Anaxos, l'air du compositeur dans le prologue. Ariane Anaxos de Richard Strauss, c'est la version mythique dirigée par Herbert von Karajan. On est saisi, là, Francis Maréchal. Ah oui, c'est une artiste incroyable. J'ai fait mes débuts avec elle, en fait. C'est elle qui m'a permis de lancer un peu ce qui s'est fait à Royaumont. Je trouve que c'est une voix indémodée. Là, elle chantait en 53. Ça n'a pas pris une ride. Dans Pamina, elle reste insurpassée. C'est d'une modernité incroyable. Alors que Schwarzkopf a quelquefois un peu vieilli. Exactement. Hein, exactement. Et elle, non. Exactement. Il y a une jeunesse. Ah, c'est oui. Comme si elle venait de créer le rôle, quoi. Ah, oui, vraiment. Ouais. Alors, vous allez rendre hommage à votre directeur musical, celui du chœur régional Vitoria, et qui est aussi chanteur, hein, Michel Picmal, il faut quand même le rappeler, chef d'orchestre, chef de chœur et chanteur aussi. Hein. J'ai beaucoup admiré comme chanteur, c'était un disciple de Bernac. Oui. Hein. Bernac, j'avais tenté d'ailleurs de faire venir à Royaumont, qui a beaucoup fréquenté avec Francis Poulenc Royaumont. D'ailleurs, le dernier cycle de mélodie de Poulenc a été créé à Royaumont, donc c'est vrai que, voilà, avec Michel, on était vraiment dans un univers autour de la mélodie française qui nous a extrêmement stimulés. Thank you.
Michel Piquemal pour la voix et Christine Lajarige au piano, interprète Hôtel des banalités qui sont loin d'être banales de Francis Poulenc. Merci beaucoup Francis Maréchal pour votre magnifique programme. Merci d'être venu ce soir en direct dans Passion Classique et longue vie à la Fondation Royaumont, à l'abbaye de Royaumont qui ouvre en juillet, vous nous l'avez dit, et au voilà. Cœur régional Vitoria d'Île-de-France, qui est au Maroc, que nous saluons et que nous accueillerons comme il se doit quand ils vont venir à